Et salut à tous et bienvenue, c'est LinkLockis pour vous servir et j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi pour une petite après-midi de live. Et ça fait longtemps, petit live d'après-midi, mais pas de live hier, donc j'étais éclaté. J'étais extrêmement éclaté hier. Donc pas de live et je floutise, ça m'énerve, c'est bon, ça revient. Donc, eh bien, je me dis petit live d'après-midi. Même si il y avait eu un live hier, je voulais faire un live cet après-midi. Parce que c'est une des rares après-midi où j'ai pas kiné, donc je profite. Et du coup, coucou Iseline, coucou les arrivants, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Et oui, ça va mieux. Ça va bien mieux. Mais ouais, non, il y a 2 jours, j'ai mal dormi. Donc, hier, je me suis dit. Non, c'est avant-hier. Bref. Non, bah, c'est le soir du live FF14, donc c'était mercredi. Étonnamment, hein, pour une fois, j'ai coupé mon live tôt. Et je me suis dit, allez, vas-y, je sens le coup de fatigue, j'en profite, je vais me coucher. Donc c'était genre 1h du mat quand je suis allé me coucher. Un peu moins même, je crois. Donc ouais, pour une fois, je vais me coucher à 1h du mat en me disant, ah vas-y, c'est cool là, je vais pouvoir faire une bonne grosse nuit de sommeil, etc. Donc je me suis réveillé à 5h du matin. Et impossible de me rendormir. Avec cette sensation d'avoir fait une bonne grosse nuit de sommeil et du coup, je vais pas me rendormir. J'arriverai pas. Donc voilà. Ce qui fait que, évidemment, dans l'après-midi, voilà, je me suis dit, allez, faut que je dorme un peu, sinon ça va être terrible. Donc j'ai dormi un peu, et le réveil a été encore plus compliqué. Donc hier, j'étais vanné. Pas forcément fatigué, parce que j'ai pas réussi à m'endormir avant 5 à 6 heures du mat. Mais juste j'étais en mode, oh, au secours. Donc voilà. Voilà le pourquoi du pas de live hier, j'étais mort. Et comme je dis, de toute façon, je voulais faire un live cet après-midi pour profiter d'une de mes après-midi libres. Donc. Je suis en week-end depuis hier soir. Ah, bon, bah c'est cool. Je peux dormir, la semaine a été très compliquée. La lune a déréglé tout le monde. Ah, bah, c'est pas la lune pour moi. Moi, je sais que ça fait peut-être 10 ans maintenant. En vrai, oui, non. Ouais, maintenant, oui, en vrai, ça fait 10 ans que le sommeil. Bon. Ah, c'est plutôt. Plus vraiment ça. Du coup, bon, bah. Voilà. Faut pas le dire, ça. Ouais, non, mais. Faut pas le dire, mais je le sens bien, donc. Voilà. Non, puis bon, ce soir, du coup, on se fera notre petite soirée FF avec techniquement le vigile de pierre. Avec un peu de chance, si ça se passe bien, Garuda. Et on se rapproche grandement de la fin d'Arène Reborn, en vrai. En vrai, je suis fier de nous, on avance bien. Moi aussi, je suis assobiaque. Ben, en fait. Je l'étais pas, j'ai toujours été un énorme gros dormeur. Un très très gros dormeur. Et à partir du moment où j'ai eu mes soucis d'épaule, quand j'ai eu mes 2 premières opérations, bah du coup voilà, je suis resté très très longtemps avec le bras en mode comme ça. Donc ça m'a niqué le dos et depuis, bah, au moindre truc que je fais, bah, je dors mal ou pas du tout, donc voilà. Donc voilà. Au final, l'épaule ne m'a pas niqué que l'épaule. Mais bon, on fait avec. On fait avec et puis on verra bien. Il y a un moment où ça ira bien, peut-être. On espère. Alors, je voulais juste dire, voir un truc. Puis après, on va aller jouer à Stardew.
Parce qu'à la base, hier soir, on voulait faire du Baldur. Sauf que bon, je me suis dit, allez, je suis éclaté, peut-être un peu Stardew, comme ça au moins je me couche pas trop tard et tout. Et puis en fait, au final, ouais, non, je suis mort, au secours. Voyons voir. Ah oui. Ah oui, si je compare. Sur la découverte FF14 à l'époque, en duo avec Blue, Titan a été fait au replay numéro 8. Et sur cette aventure-là avec Justine et tout le monde, Titan est tombé au replay numéro 8. Donc en vrai, on avance très très bien. On avance très très bien, ouais. Un point de Baldur, hein. J'ai rendez-vous avec une guenade donc j'écoute de loin. Et bonne chasse. Et voilà. Bon allez, nous on va aller en jeu. Ils ont raccourci pas mal de choses aussi pour l'épopée. C'est vrai que oui, il y a pas mal de choses qui ont été raccourcies. Et en vrai, c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal. Si ça t'évite 36 allers-retours, il y en a déjà encore. Enfin, il y en a encore bien assez. Donc bon. Mais bah déjà les 20 quêtes en moins de RR+, déjà ça va être bien. Parce que putain que c'est long à RR+. Oh, j'ai pas hâte, j'ai tellement pas hâte. Allez, on va lancer Stardew. J'ai pas de nom plus. Ah ouais, non mais. Toute la phase avec les braves au secours, c'est long, c'est. Toute la phase avec. Qui mène à Léviathan aussi est un peu longue. Puis toute la mise en place du banquet et tout, c'est long. Oh. Le déménagement des héritiers aussi. Oh. Entre pour moi, clairement, le pire, le déménagement, les braves. Pire truc. Beaucoup trop long. Avec, je pense, un pire ressenti pour le déménagement. Le déménagement, putain, qu'est-ce que c'est long. Bon, après, ça va être cool, ça va mettre en place les. Ah non, ça c'est Evansort Plus. Ah oui, non, je confonds. J'allais dire les Guerriers des Ténèbres, ouais, non, Guerriers des Ténèbres, c'est après. Ah, tu passes ta vie dans des TP, mais oui, mais tellement. Tellement, tellement. Ah, non, Edna, c'est ce soir. Edna, couché. Bon, du coup, j'ai un petit peu joué hors live, hein, Stardew. Alors, par contre, ça va faire un autre flash noir. Voilà. Donc, j'ai un petit peu joué à Stardew depuis le dernier live. Alors, je sais plus quand est-ce que ça remonte et je sais plus quand est-ce que j'ai joué, hein, toute honnêteté. Ah oui, non, par contre, attendez. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Tac. Tac. Voilà. Et voilà. Donc ouais, je disais, j'ai joué un petit peu, enfin un petit peu, pas mal de jeu. Donc j'ai looté pas mal de trucs. Pas mal de trucs, j'ai récupéré un diamant de la machine à diamants, enfin à dédoublement de diamants dehors. Je me suis un petit peu amusé, voilà, j'ai récupéré quelques meubles par-ci par-là. Donc j'ai une commode à fringues maintenant, c'est trop bien. J'ai pu virer bah, le coffre où j'avais stocké toutes mes fringues.
Et du coup, bah, j'ai une armoire, littéralement une commode à fringues. C'est trop bien. Parce que j'en avais quand même un bon paquet en fait. D'ailleurs, je me suis changé, hein, nouvelle saison, donc évidemment, on se change. Ça, oh, là de ce côté, ça a rien changé. J'ai fait des. J'ai fait des. J'ai des canapés, non pas canapés, des fauteuils, voilà. Qu'est-ce que j'ai à racheter deux frigos de plus. Parce que c'est pas qu'on commence à être un peu blindé en bouffe, mais je me dis que 4 frigos, ça peut être bien. N'a jamais assez de frigos. Et voilà. Voilà, globalement, j'ai pas fait grand-chose de plus à l'intérieur ni à l'extérieur. J'ai surtout farmé quelques ressources, etc. pour qu'on avance un petit peu, hein, tout simplement, en live. Notamment, du coup, j'ai récupéré un nouveau livre bénéficié d'une réduction de 50% sur le service de récupération d'objets de Marlon. Pourquoi pas? L'omoplate préhistorique que je. Artefact que je n'avais pas. L'œuf du tonnerre que je n'avais pas. L'argilite que je n'avais pas. J'ai eu des tickets gagnants pour Lewis. J'ai récupéré une étoile de mer séchée. Donc le diamant, comme je disais. Et le slime. Sauf que j'avoue que le slime, depuis le temps, j'ai oublié à quoi ici. Qu'est-ce qu'on devait en faire. Donc, nouveau pouvoir. Bon, ça avance tranquillement les pouvoirs là. Il nous manque deux trucs. Il nous en manque que deux. On a tous les livres. Et bon, bah, les étoiles de maîtrise. Ça se fait, ça se fait. Du coup, j'imagine que instruit, c'est avoir tous les bouquins. Lire tous les livres. Ouais. Très bien. Donc ça c'est ok, ça c'est ok. Je sais même plus à quoi va me servir le slime. Et ben let's go. Donc on attaque l'automne. Premier jour d'automne. Qu'est-ce que ça veut? Voici un légume de mon petit jardin. T'as probablement déjà beaucoup de légumes, mais bon, Caroline. Ah oui, tu me donnes un pané. En plus, il est pas de saison ton pané. Vas-y. Ah putain, j'ai stocké les slimes. Non. J'ai stocké les slimes. Où ils ont? Ils ont là. Je vois rien. Donc j'en avais 99, je sais plus pourquoi. Est-ce que c'est pas le Castor Junior là dehors qui veut des slimes? Peut-être, je sais plus. Il va falloir qu'on s'occupe des champs. J'y pense. Les graines de saison. Pas là. Mélange de graines, voilà. Bah après, on a les fleurs mixtes. En vrai, je me dis, est-ce qu'on les ferait pas pousser? Bon, je sais pas où en vrai. Mais au moins, les 92 de mélange de graines. Ça, let's go. Alors, ça va être le champ du random total. Puisque, bah, du coup, on sait pas ce qu'on a dans ces graines. Alors, vu que j'ai le mode pour me. Si je mets la flèche dessus, je saurais ce que c'est. Mais rien qu'à voir la gueule là du truc, ça va être le bordel. Vas-y, on a quoi? Maïs, aubergine, citrouille, aubergine, artichaut, citrouille. Ok, bon bah écoutez, c'est déjà très bien, j'y ai pensé pour une fois. C'est déjà très très très... je m'en contenterai. Bon, faudra faire le reste des champs. Bon, petit cheval. On va déjà s'occuper des animaux, tout ça, tout ça. La routine habituelle. Dès qu'on pourra, du coup, on ira acheter les graines de saison. Ah oui, c'est... T'as les truffes, ça pousse encore plus en automne, ou comment ça se passe? Alors j'y connais rien en truffes, hein, toute honnêteté. Hein. S'il faut, ça paraît évident pour ceux qui s'y connaissent. Tac.
Bon, quand même, 11 truffes qualité iridium, c'est bien. Très très bien. Ouais, c'est en automne. Ok, bon bah d'accord. Et comme quoi, on apprend des trucs avec les jeux vidéo, encore une fois, je veux dire. Toi aussi, apprends des trucs. Soit avec des cochons ou des chiens truffiers. Ouais, ça je savais, mais pour le coup, j'ai aucune idée de la saison. Enfin, s'il y avait une saison particulière pour en trouver. Ah non, c'est une vache. Je me dis, putain, c'est quoi ce truc qui dépasse? C'est une vache, tout va bien. Du coup, bon, déjà, on va aller voir les ratons laveurs parce que je me souviens plus du tout ce qu'ils voulaient. Que je sais que j'ai farmé en me disant, tiens, du coup, comme ça, je vais pouvoir les aider, mais je sais plus ce qu'ils veulent. Ah bah, c'était ça, du coup, le diamant et le slime. C'était donc ça. Oh, réservoir de la jungle. C'est quoi ça? Ce meuble-là. Ah, c'est un. Ouais, donc c'est un meuble, ça je m'en doutais, mais. Il y a le marchand ici ou pas? Non, il n'y a pas le marchand. Ok, bah let's go. Hein. Là on est bon. Bon, c'est pas encore l'heure d'aller acheter les graines. Oh pétard. Bon bah. Bah let's go, hein. On va faire le tour de tout histoire qu'on soit tranquille. Oh, j'avais pas fait gaffe les. Ah mais ça se replante pas ça. Ah. Les trucs des gemmes sucrées, ça ne se replante pas. Enfin, ça ne se récolte pas en boucle. Ah oui, par contre, 3000 balles la gemme. De qualité nulle. Ah oui. Ah oui. Bah, je pense qu'on va en faire des jus, hein. Et je dirais même des jus dans la cave. Ah, cela dit, est-ce qu'on peut y mettre des jus directement dans notre cave ou il faut passer par automatiquement d'abord les fûts qu'on peut crafter nous-mêmes? Ah, j'avais plus de place. C'est chiant. Bah, on va tester, cela dit. Pour ça, on s'en occupera après. Est-ce qu'on peut les mettre directement à la cave ou pas? On ne peut pas. Donc ouais, faut passer par les fûts. Si on peut passer par là, faut passer par les fûts. C'est noté. Bah let's go, hein. De toute façon, il faut que je fasse de la place. Ah! Bon, bah du coup. La cave, c'est vraiment pour les faire vieillir et non transformer, d'accord. Bah, cela dit, je vais en vendre un pour l'avoir dans la liste. Voilà, ça aussi, je vais en vendre un. Bon, bah du coup, c'est chiant ça, j'ai pas de place. Bah, donc, on va déjà vendre ça, du coup, hein, pas le choix. On va déjà vendre tout ça. Ah, du coup, il n'y a plus de fût. Oui, j'ai plus rien. Il n'y a plus de place. C'est géant. Ouais, j'ai pas de ça. Ça, on va les stocker aussi. Et du coup. Ouais, faut en refaire. Bon, pour l'instant, on va le mettre là. Ah, mais attends, c'est un aquarium? Ah!
Genre, c'est un aquarium ou un vivarium? C'est un aquarium. Ok, bon bah ça me fera un deuxième aquarium, pourquoi pas. Alors faut pas qu'on oublie qu'on a deux tickets de cinéma. Hein. On a deux tickets. Je sais pas où j'ai foutu mon cheval. Tiens d'ailleurs, tant que j'y pense. Tiens, voilà. Oh, nouveau niveau de connaissance, nice. Ça prend des plans de transformation des fruits, je crois. Ouais, ça prend. C'est pas mal de temps. Ouais. C'est plusieurs jours, en tout cas, ça, c'est sûr. Après, de toute façon, on a vu que pour faire vieillir le vin, c'est 14 jours in-game pour un stade. Non, ne mange pas des fraises. Donc dans tous les cas, ça prend des plombes, mais de toute façon, c'est un jeu qui prend des plombes, hein, donc on n'est pas plus étonné que ça au final. Bon bah du coup, ça, on va les stocker, on essaiera de les transformer, voir ce que ça peut donner si ça se vend bien. Le reste, on s'en fout, on a déjà donné. Je sais pas où j'ai foutu mon cheval. Comme une impression de déjà vu. Où est-ce que j'ai foutu mon cheval? Putain, il est derrière l'arbre. Ok, d'accord, tout va bien. Putain, je me fais des feintes tout seul, là-dedans. Ça, c'est ok. Du coup, il reste à aller voir Gunther, il reste à aller chez Lewis, il reste à aller... Bah, au marchand, tout simplement. On va commencer par ceux qui sont le plus loin, puis on reviendra après. Donc, ouais, Gunther, Lewis, puis marchand. Yo! Alors, ça. On va le mettre avec les cailloux. L'omoplate, on va le mettre. On a un cadeau. Voilà. Et le petit tas de d'argile, voilà. C'est quoi le cadeau? Super, un truc qui ne nous servira jamais. Tout va bien. Ensuite, Lewis. Ouais, c'est ça, salut. Alors, j'ai hâte, bah du coup, on passera chez Pépère. Ah, putain, 5 diamants, bah si j'avais su, j'aurais pas farmé. 4 ruches, 5 diamants. Qu'est-ce que c'est? C'est une... Non, oui, c'est la sucette, je sais pas quoi là. Sucette arc-en-ciel ou. Je sais plus. C'est vrai que du coup d'habitude, hop, on se met là pour voir les loots. Le sucre d'orge magique, voilà. Voilà. Bon bah du coup, retour à Forgeron, vite fait. Là, du coup, il nous manque vraiment pas grand-chose en... Attends, il y a un truc vert là. C'est quoi le truc vert? C'est quoi le truc vert? Il est loin le truc vert! C'est ça? Je pense que c'est ça. Oui, c'était ça. Il doit pas nous manquer grand-chose hein, chez le... Au musée. Hein. Il doit vraiment pas manquer grand-chose. Du coup,
coup, ça me permet d'ouvrir les boîtes goldées. Qu'est-ce que c'est, ça? Cocktail de crevettes. Ah. Puisque Domar Osef, bon, ça, on s'en fout un peu. S'en fout. Bah, des graines, hein. Très bien. Et du coup, les golden box. Hein. Oh. Et salut Arata, comment ça va? Pour l'instant, c'est bien de la merde. Oh! Bague d'émeraude, faut voir ce qu'elle peut faire. Au moins la vitesse d'attaque de l'arme de 10%. Bon, on va acheter des graines. Hein. Ouais, après, mon sac est plein, donc on va quand même d'abord passer à la maison pour vider le sac. Ah. La fin de la semaine de cours, non, c'est semaine d'entreprise. Oh, nice. Nice. Et bah, plutôt tranquille, ouais. Petit après-midi de la détente, parce que bah, parce qu'il faut bien de temps en temps. Petit après-midi Stardew pour profiter. Flemme. Ça par contre non. Ça dégage. Je pense pas que c'était la meilleure idée de foutre un arbre en plein milieu de... plein milieu du chemin là, je vois pas tout. Ça, ok. Bon, il reste que ça. Bon, c'est pour faire un cadeau. Bon, on le filera à Abby au pire. Tac. Alors. Du coup. Du coup, ouais, il manque toujours les dents de dragon. Ça, j'en ai pas récupéré d'autres, il me semble. J'en ai toujours 3, donc il nous en manque 2. Et ensuite, bah, j'ai quand même récupéré quelques éclats de braise, donc on devrait pouvoir tenter de faire de quelques expériences. Notamment fusionner les anneaux. Ça, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Assez curieux de tester. Assez curieux de tester ce que ça peut donner et de voir comment. Déjà combien ça coûte. Je crois que c'était 20. Il y a un truc vert là. Ah oui, c'est. Putain. Costume de ténèbres. Oh. Putain, il y a. Ok, donc il y a Mastruck dans ces trucs en fait. Ouais, Mastruck dans ces trucs, tout va bien. Bref, on verra après. Hein. Salut Abby. Papa semble se débrouiller plutôt bien sans moi. Alors. Bah de toute façon, citrouille. 13 jours, donc on pourra en faire 2. 2 plantations. En vrai, je pense que je vais faire une masse. Masse de citrouille. Maïs, on s'en fout. Aubergine. Ouais, ça en fait plusieurs, ça. Les choux qui loin. Une âme, canneberge. En vrai, canneberge, je vais pas en remettre puisque
On en a masse qui pousse dans les. Ah, raisin, cela dit. Masse qui pousse dans les. Ah! Dans la serre, je vais y arriver. Artichaut. Parce qu'en soi, là, on va faire aubergine qui pousse tous les 5 jours. Enfin, qui vont mettre 5 jours et après, ça continue à produire. Citrouille qui vont mettre 13 jours, donc ça, on va pas s'en occuper. Raisin, 10 jours à pousser et après, ça continue. Et juste artichaut, il faudra en mettre pour 8 jours. Donc, il y a moyen qu'on se fasse des plantations qui mettent soit beaucoup de temps à pousser, soit qui vont se renouveler automatiquement. Comme ça, on va utiliser ce mois-ci pour éventuellement farmer dans le volcan. Comme ça, on n'aura pas forcément besoin de retourner tous les jours au truc. Je pense que c'est peut-être le mieux. On va tenter. Et puis, comme je disais, à partir de maintenant, on va globalement essayer de voir. Mettre des brocolis au pire. Si je vois que tel ou tel jour, il n'y a pas grand-chose à faire ou quoi, et bah on va zapper la journée. Allez, full citrouille. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été arrosé là. Non, c'est que la terre a dû redevenir normale le temps de. Dans la journée, vu qu'on s'en servait plus sur le dernier jour de l'été. T'as ça, j'en ai acheté 150, il m'en reste 6, hein. Je pense que je vais pas trop me disperser sur cette saison-là, sur les récoltes. Ce sera pas plus mal, histoire que voilà. De toute façon, comme je disais lors d'un live précédent, je sais plus lequel exactement. Mais globalement, bon, bah, on se rapproche hein, de notre fin d'aventure. Hein. On se rapproche tranquillement de notre fin d'aventure. Parce que j'ai pas envie de faire clairement 100% du jeu. Hein, voilà, je. Vraiment pas envie. Même si le jeu est génial, hein, très clairement, le jeu excellent. Je savais que j'allais aimer ce jeu, mais je pensais pas à ce point-là. Ce jeu est trop trop bien. Et au final, je regrette pas de l'avoir mis de côté pendant très longtemps, puisque bah, au final, ça nous aura permis de le découvrir. De le découvrir avec la mise à jour 1.6, qui est sortie peu de temps avant qu'on commence à jouer. Qui a été une énorme mise à jour hein, qui est sortie sur le jeu. Ok, là on est bon, là on est bon.
Tu as tout avoir vu surtout. En vrai, oui et non. Dans le sens où je sais qu'il y a des trucs qu'on ne verra pas. Parce que soit il faut farmer extrêmement longtemps, etc. On ne verra pas, par exemple, le générique de fin de jeu. Je vous le dis, on ne le verra pas. On ne verra pas la scène de fin cachée si tu fais tout le jeu à 100%, etc. Bon, ça, on verra pas. Mais en soi, oui, dans la globalité du monde à explorer, on a quand même vu la très grande majorité de ce que le jeu a à proposer. Et c'est clairement pas parce que je m'ennuie que je vais arrêter le jeu. C'est que voilà, on y a passé beaucoup de temps et que le jeu est trop bien, mais que j'ai aussi envie de jouer à autre chose de temps en temps. Et vu que j'ai retenu la leçon, je finis un jeu et en tout cas j'arrête, j'arrive jusqu'au point où j'ai plus envie d'y jouer avant de passer à autre chose. T'as bien fait d'attendre avant de le lancer. En vrai, je pense que oui. En fait, j'ai attendu sans le savoir. Hein, je savais pas qu'il allait y avoir cette mise à jour. C'est juste que quand j'ai vu que voilà, ça a annoncé. Parce que ça fait très très longtemps que je l'ai le jeu. Ça fait très très longtemps. Et ça fait très très longtemps que je veux le lancer. C'est juste que je me disais en mode ouais, non, mais là, j'ai envie de jouer à autre jeu. Et puis là, il y a autre. Ah, puis là, il y a ce jeu qui arrive là. Oh, et puis il y a ça à faire. Donc forcément, bon, voilà. 17h30, ouais non j'aurais pas le temps d'y aller, hein. Ouais c'est 16h. Hein. Bon ça on verra demain. J'ai même pas fait gaffe d'ailleurs, hein. On est parti en mode YOLO, j'ai pas fait gaffe si le calendrier dit quoi aujourd'hui là. Ah, bon demain Penny. Miss Patty. À part si il y a un émeraude qui a poussé dans la carrière, on lui filera un panier, elle sera contente et puis basta. Même si en soi on s'en fout un peu puisqu'elle est déjà à fond en termes d'affinité. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Iridium, tesson prismatique et minerai d'or. Intéressant ça, dis donc. Donc ouais, si jamais il n'y a pas un petit émeraude qui a poussé ici. Non, il n'y en a pas. Et j'ai rata pour le level 64. Mais clairement, le jeu est excellent. Hein. Je pense qu'il fait très clairement partie de mes préférés de style de jeu de gestion de ferme, etc. Très clairement. Pour moi, il fait partie du top. Comme j'ai, je pensais bien que j'allais apprécier ce côté chill, détente, gère ta ferme, etc. Je pensais bien que j'allais aimer, mais je pensais tellement pas que j'allais accrocher à ce point-là. Il est truqué. Le jeu est excellent. Voilà, le jeu est juste excellent. Bon, je déblaye un peu, hein, histoire que on ait des cailloux qui repoussent et qui nous lootent de nouveaux items. Oui, on fait pousser des Descends cailloux. ma voiture. Descends ma voiture. Allez, hop, c'est parti, vas-y. Alors même si on n'aura pas forcément profité d'une expérience full vanilla, etc. Puisque bon, j'ai modé le jeu. Hein, on aura quand même pu profiter clairement du jeu. Alors je dis pas ça en disant c'est le dernier live hein, dessus, hein, je précise. Hein. Mais voilà, globalement on se rapproche gentiment des derniers lives dessus. Hein. Très gentiment. Je pense que dans l'idée j'irai jusqu'à... On va finir... finir l'année.
on finit l'année et puis on s'arrêtera, je pense. Après, je sais, du coup, vu que je comptais m'arrêter assez rapidement, enfin assez rapidement, assez bientôt dans le jeu, je me suis renseigné sur deux trois trucs, hein. Comme le fait que, voilà, le fameux truc qui se passe au début de la troisième année, par exemple. Je pense qu'on ira voir ce que ça dit, du coup, on aura notre appréciation, on va dire. Et ce sera le dernier truc qu'on fera, je pense. Parce que oui, à partir de la troisième année, on peut avoir une note sur notre ferme et notre avancement dans le jeu. Et le fait d'avoir la note maximale à ce truc-là débloque la fameuse scène finale dont je parlais tout à l'heure. Scène que l'on ne verra pas. À l'arrêt de bus. Bon. Plante de table, j'ai même pas fait gaffe. T-shirt à bandana, où est-ce que j'ai chopé ça? J'ai aucune idée d'où j'ai chopé ça. C'était dans un arbre? On gardera une VOD sinon pour la cinématique. Très clairement, oui, c'est ce que je pensais faire. Parce qu'en gros, il y a un petit easter egg sur cette fameuse fin, du coup qu'on ne verra pas, puisque bon, je la ferai pas. Mais globalement, en fait, tu peux aller en trichant, tu peux aller à l'endroit où se déroule cette fameuse scène. Et si tu y vas avant d'avoir, donc en trichant, avant d'avoir fait ce qu'il faut pour techniquement y aller en legit. Il y a une scène où globalement le personnage mystérieux t'engueule, te tue. Et il se passe des dingueries. Du coup, une plante de table. Ouais, c'est pas fou, hein. Bon, on est pas mal. Bon, puis je vous le dis, hein, clairement, moi, mon objectif caché de cette aventure, c'est que Habib propose enfin d'avoir un enfant. Pour moi, c'est le vrai objectif. Hein. Mais bon, de ce que j'en sais, c'est full aléatoire, donc. Heureusement que j'avais une bonne paire de bottes avant d'aménager ici. Je me vois pas marcher dans la boue avec des baskets. Tu m'étonnes. Ta bête, c'est quoi? Eh, cadeau. Ouah, la couleur est si belle, comme celle d'une améthyste, merci. Alors, j'ai appris cette recette à l'étranger, régale-toi, je voulais te remercier pour ton accueil chaleureux. Ah, c'est Kent, repas énergétique. Ouais. Ilan, c'est un plat de chez moi que ma famille et moi aimons beaucoup. J'espère que tu aimeras. Léo, PS, Willy m'a aidé à écrire la recette. C'est du poi? C'est quoi du poi? T'as mes petits chats qui vit sa meilleure vie. Vraie question, c'est quoi du poi?
Allez, on va s'occuper des animaux. Ah, barre-toi! Tac, la routine fromage, comme on l'appelle dans le milieu. De toute façon, j'imagine que les ratons laveurs, ça va pas être tout de suite. Je sais pas jusqu'à combien ils vont, les ratons laveurs. 1, 2, attends, 3. Déjà? Non, nous sommes heureux pour l'instant, oui. Il y a le marchand. Il y a pas le marchand. Mais globalement, ouais, donc à partir de maintenant, comme je disais, il y a des jours où on va juste zapper la journée. Bon, là je vais aller filer son cadeau à Penny et puis on s'arrête, puis on verra potentiellement pour passer la journée. Ah bah voilà. Nickel. On est bien là. Bah du coup on va tester ça. Ah, on peut pas le... Ah d'accord, on ne peut pas. Ça on peut? Ça on peut. Et est-ce qu'on peut en faire de la boisson? On peut en faire de la boisson. D'accord, donc le fruit jam sucré, la baie jam sucrée, on ne peut pas... On ne peut pas la transformer. En tout cas, pas avec ces méthodes-là. Ok, bon, intéressant à savoir. Ok. Non, on va aller, bon, on va pas offrir une bière à... C'est quoi, je vais lui offrir de la gelée de fraises à Penny. Tac. Bon, le temps du trajet, on mettra sûrement assez pour aller chez les forgerons. Et puis je pense que ça va être une journée qui va sauter ensuite, hein. Parce que là, bon, vas-y, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? 3 poissons chats, tu m'énerves avec tes poissons chats, je te le dis. Par contre, éventuellement, je sais qu'il y avait Robin qui voulait faire un truc. Je crois que c'était mettre des bancs dans la ville, mais je ne me souviens plus du tout ce qu'il faut, donc on va peut-être aller voir ce qu'elle demande juste après. Et puis on est l'automne. On est l'automne, il y a le dernier poisson légendaire à pêcher. On va relire dans la bibliothèque. Où est-ce qu'il est? Chapeau mystère.
Déjeuner chanceux. Fabriqué à partir du reste d'une boîte, c'est genre... Ah oui, c'est en haute forme avec un point d'interrogation. Très bien. Très bien, très bien. On va les relire à la bibliothèque très rapidement. Alors de mémoire, il était par là le bouquin. Là-haut, je crois. Je sais plus. Là, peut-être. Non. Là, peut-être. Le poisson légendaire. Les eaux chaudes océaniques. Non. Poisson glacier. Non. Beaudroit repéré en automne, au nord du village où la rivière se déverse dans les montagnes. Bah, tu sais quoi? On va aller filer son cadeau à Penny et... On va là-bas. Alors, est-ce qu'elle est chez elle? Là-bas. Il y a des gens vraiment merveilleux dans le monde. Tiens, cadeau! Pour mon anniversaire? C'est si gentil de ta part, c'est un beau cadeau. Bon bah elle aime bien en plus. Mais genre elle aime bien vraiment ou... C'est apprécié, c'est pas un cadeau aimé mais c'est un cadeau apprécié. Ça se prend. Bon on va le tenter... Ah oui c'est vrai qu'elle avait fait ça aussi. C'est qu'on avait fait la maison de Penny justement. Donc on va voir Robin, on essaie de choper le poisson qui du coup j'imagine dans les... Là où se gère, dans les montagnes. Là où se déverse l'eau des montagnes, enfin bref, je sais pas comment c'était tourné mais... Ah! J'espère que tu viendrais me voir. Tu te souviens quand je t'ai parlé du nouveau projet sur lequel je travaille? C'est celui qui est sensationnel. Alors ce qui me plaît pas c'est qu'il y a l'autre là-bas derrière. Et là c'est enfin fini, et je veux te le montrer. Lui là, le relou. Suis-moi. Oh! J'ai une hachette. Ouais. Lui là. Le relou. Et voilà, le dispositif de laboratoire interactif Alpha de Maru. Ou comme j'aime l'appeler, Marilda. Je la perfectionne depuis des mois. J'attendais que tu viennes me voir pour l'activer. Et bah c'est parti. Et là tout explose. La caméra qui s'éloigne et tu vois juste un champignon. Hein. Au loin. Salutations Maru. Pas besoin de me répondre, j'ai déjà calculé toutes les réponses possibles de ta part. Je le savais. Qu'est-ce que c'est que ça? Papa, du calme, c'est ma dernière invention, Marilda. Salutations, Demetrius. Oh non, Dioba, ça parle. Eh, le scientifique, là, il va arrêter, hein, il va se calmer deux minutes. C'est pour ça que t'es enfermé dans ta chambre, tu t'es enfermé dans ta chambre ces derniers mois? Et moi qui pensais que tu passais ton temps à t'amuser avec Nélan. Non. Que... Hein? Papa, j'ai fabriqué ce robot pour toi et maman. Marilda a été conçue pour t'aider au laboratoire et maman avec la menuiserie. Comme ça, le jour où je vivrai plus ici, ce sera pas un problème pour vous. Toutes mes excuses. Je suis désolé, Maru, mais je ne peux pas être votre servante. Depuis que vous m'avez activé, j'ai réfléchi à la nature de mon existence avec le module de conscience de soi que tu as installé dans mon cortex neuronal. Désolé de te décevoir, mais je dois te demander ma liberté. J'ai décidé d'explorer la galaxie à la recherche d'autres formes de vie synthétique. Attends, quoi? Ne t'en fais pas, Maru. Laisse Marilda partir. Ta mère et moi pouvons prendre soin de nous-mêmes. Je sais que tu veux partir vivre ta propre vie, et même si ça me fait de la peine, je suis d'accord avec l'idée que tu partes de la maison. De plus, cette création semble très avancée. Ça ne semblerait pas juste de la garder en tant que servante. Nélan, je suis désolé de m'être méfié de toi. T'es quelqu'un de bien. Je n'ai jamais vu Maru aussi pleine de vie et avec autant d'inspiration. Je n'ai jamais été aussi fier d'elle. Si c'est grâce à toi, tu as de mon éternelle gratitude. Hmm.
D'accord, Marilda, nous allons te laisser partir de cet endroit étouffant. Comment tu l'as fait passer par la trappe, vu la taille du bordel? Bref, merci de m'avoir créé, Maru, je ne vous oublierai jamais. Ok. Bon, bah, très bien. Elle s'en va. Ben, qu'en penses-tu, Nilan? Tes inventions m'impressionnent. Quelle déception! T'aurais dû faire ce robot ton esclave. Ton père ne s'oppose plus à notre relation maintenant. Bah non, en fait, puisque du coup, non. Tes inventions m'impressionnent. Merci, ça compte beaucoup pour moi, Nilan. Je sais que les gadgets, c'est pas ton truc, mais j'apprécie que tu t'intéresses à ce que je fais. J'aimerais te rendre l'appareil un de ces jours. Ouais, tu vois ça avec Abby, hein, moi. Kikwe? Je regardais pas! Elle a profité d'un instant de faiblesse pendant que je regardais pas! Alors, est-ce que tu bosses ou pas? Je sais jamais. C'est le mardi ou le mercredi qu'elle bosse pas? C'est le mardi, hein. Donc, du coup, bah tant pis. Alors, là où l'eau se déverse, du coup, ce serait genre là? Pour l'instant, c'est juste des essais pour essayer de voir où est-ce que c'est. Ah, peut-être par là en fait. Et quand on l'a trouvé, si on le chope pas du premier coup, j'irai prendre des hameçons plus intéressants. Flotteurs et hameçons plus intéressants. En tout cas, plus pratique pour un truc qui va très probablement se débattre comme Jaja. C'est une carpe, ça? Sinon, on essaiera depuis ici, depuis là-haut. Non, c'est pas celui-là. On va essayer depuis là-haut pour voir. Après, je me dis peut-être là-haut, là. Là où les eaux se déversent. Peut-être là-haut, en effet. Tu le vois au pattern? Ah, la carpe, oui, tu la vois clairement. La carpe ne se débat quasiment pas. Ça m'étonnerait que ce soit là. C'est bizarre que ce soit là. De toute façon, je peux pas y aller, donc. Est-ce que par là on aura un peu plus de chance peut-être? Je rappelle le légendaire hein, quand on le chope, enfin quand il est en train de tirer. Le petit poisson dessiné et c'est pas le même bleu. Et de toute façon, vu comment il va se débattre, on saura que c'est lui.
Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est là, hein. Sauf si c'est dans le village vers le nord. Ce qui est pas impossible. Genre là. Ce qui n'est pas impossible là. Là où les eaux se jettent, bah peut-être là en fait. Tout simplement. J'y ai cru. J'y ai cru. Bon, à mon avis, c'est pas là. Parce que généralement, quand on est sur le bon endroit, ça mord très rapidement avec le poisson légendaire. Alors, j'aimerais ne pas regarder le wiki, je vous le dis. J'aimerais le trouver tout seul. Mais si je vois que je galère, on regardera le wiki. Clairement, j'aurais aucun scrupule. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Je me refais ton let's play Dying Light avec Farage en ce moment. Ah, j'ai quand même l'impression que c'est un let's play qui plaît beaucoup, hein, le let's play Dying Light. Il plaît beaucoup. En même temps, c'est vrai qu'il était fun. Oui, j'avoue que là pour l'instant j'ai oublié là, le légendaire, je prends les bébules. Bon, fini les bébules. Ouais, peut-être après par là. Mais il me semble qu'on avait déjà fait un poisson comme ça. Ah, c'est peut-être le poisson de l'hiver qu'on a fait sur l'autre lac. J'ai un doute, je sais plus. Salut Yura! Comment ça va? Bon, je vais finir par aller regarder le wiki! De toute façon, je rappelle, hein, depuis l'année 2, on a le droit. Je m'autorise le wiki. On a fait toute une année de jeu sans wiki. Maintenant, on a le droit.
Vas-y, ça me saoule. Ah, Emerald, bah c'est con, hein. J'aurais eu besoin de toi il y a à peu près quoi, 20 minutes? Bon, un peu plus. Quand on est allé donner son cadeau à... À Penny. Alors, Stardew. Les poissons. Au niveau de la guilde, bah j'ai testé, mais les poissons légendaires. Donc il nous manque le poisson pêcheur. Oui, c'est le poisson pêcheur. Ah, donc c'était pas là. C'était en effet pas là. Vu comment c'était dit, j'ai pensé là et on a pensé à un autre endroit. Et bah spoiler, c'était à l'autre endroit. Ah, éclaté et toi, ça va? Bah ça écoute, mieux qu'hier soir. Mais fatigué, donc voilà. C'est ici, hein, je... Ça a bougé, j'ai cliqué direct, j'aurais pas dû. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que c'est là? Attends, je vais vérifier. Ouais, non, si, c'est là, hein. Pour moi, c'est ce pont-là. Bah, de toute façon, au pire, c'est pas très grave. On a une semaine pour le... Enfin, on a 4 semaines pour le faire. Pourquoi il y avait un truc vert par là et je ne le vois pas? Parce qu'il est là. Minerai d'or. Bon, Osef. Allez, on va aller vider le sac, dormir et passer le reste de la journée à choper notre poisson légendaire qui sera notre dernier, qui est comme ça on pourra check notre objectif poisson légendaire. Alors. Serpentitacalia! Comment vas-tu? Et merci infiniment pour ton resub, merci beaucoup. Merci pour ce 50e mois de soutien, merci infiniment. Comment vas-tu? Peut-être que je rajoute des lumières dans cette baraque, hein. Mais, à un moment, il va peut-être falloir. Je suis en battle avec mon PC qui fait des crashs intempestifs. Ah merde! J'essaie de corriger les bugs mais ça arrête pas de revenir. Aïe aïe aïe. Bon bah j'espère que ça va aller. Ah bon bah à tout moment on a Acadia va faire pouf c'est tout! Alors, reprenons de l'eau. Poupette, ça va? Passez une bonne journée aujourd'hui. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire ici. Eh oui. J'y pense. J'y pense. Les animaux. Ouah, le bataillon de truffes! Oui. Ah oui, non, mais ça c'est fait. C'est en bas qu'il faut que je récupère. Bah sinon ça va et toi? Bah ça va, ça va. Oh, aïe, aïe, aïe.
Ça va tranquillement, on se remet gentiment du mois de cet été compliqué et du manque de soleil. De soleil? Ah, je manque de soleil, c'est très très compliqué. Le manque de sommeil, disais-je donc, habituel. Mais sinon, ça va très très bien. Dernièrement, CFF qui causait des crashs, mais alors le plus drôle c'était que je coupais le jeu, plus PC, d'essayer de crash. Ah, c'est à l'arrêt. Ah! D'accord. À l'arrêt du jeu, le PC crash. C'est Blue qui a eu ces soucis il y a quelque temps, c'est. Non, lui c'était quand on arrêtait Discord. Dès qu'il quittait le vocal, paf, crash. Je compatis pour le manque de sommeil, merci, c'est gentil. Pas été simple de mon côté non plus. Aïe, bon, bah j'espère que ça va mieux. J'espère que t'as laissé la majorité de ce qui est arrivé ces derniers temps derrière toi. C'était un peu ça aussi, je coupais FF14, le PC commençait à lag et pouf, les écrans s'éteignent. Ah ouais, chaud. D'accord. Alors, désolé pour le petit flash noir. Voilà. Mais ouais, chelou. Clairement chelou. Bon, on n'a rien à faire pendant 2 jours. Donc, objectif, poisson légendaire. J'ai aussi remis de l'eau, oui. C'est plutôt cool d'avoir une grotte sur notre propriété. C'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Surtout que j'ai un mec qui Tu là, j'ai m'étonnes. un mec en joue là. C'est Je galère. pensais que ce serait amusant de t'écrire, mais je sais pas trop quoi écrire. Je t'ai envoyé un cadeau, ne le dis à personne, mais j'ai chopé ça dans l'arrière-boutique de Jojo Mart et il y a bien longtemps. Ah oui, la pizza. Ouais. Il faut que tu viennes marquer mon cadeau. La fameuse Je peux pizza, pas très trop. bien. On la stocke au frigo. Ça, hop. T'ouvres la porte. Allez, on arrose ça. Habille la gotte. Mais oui! La meilleure! Très clairement. Ah, la pizza qui date de 2 ans, même pas congelée. Ah bah écoute, c'est la caisse au meilleur, non? C'est pas ça? Mais oui, du coup, notre dévolu s'est jeté sur Abby. S'est porté sur Abby. En vrai, j'ai hésité entre 2 persos. J'ai hésité entre 2 persos. Même si au final, on va dire de prime abord. Et en les connaissant un peu plus, il y a potentiellement un troisième perso qui aurait pu m'intéresser. 60. On peut pas vous. Ah bah oui, non, c'est du maïs, c'est pas du. Bon, j'ai encore du maïs ici qu'on va garder au cas où il m'en demande dans des quêtes. Bah là, on est bon. On va checker rapidement si les ratons laveurs c'est géré ou pas. Ensuite, les dadibao. Non, ils sont toujours que 3. Excusez-moi, j'essaie d'organiser ma pensée, c'est compliqué. Viens la ferme. Les dadibao.
Donc oui, je disais, il y a... Donc au départ, il y avait deux personnages entre qui j'hésitais. Bah arrivez-vous! Et en apprenant à découvrir les PNJ, en leur parlant, en faisant leur scène, etc. Il y a une troisième qui s'est rajoutée. Donc du coup, dans les deux premiers, il y a eu Abby et Penny. Et étonnamment, au début, elle me gonflait. Mais quand on a eu quelques scènes, comme je disais, une personne que je trouvais un peu intéressante, c'était Hayley. Alors. Mais clairement, de prime abord, Hayley m'a gonflé. Ok, là on est bon. Oh, c'est Abby, only Abby. Eh, je comprends, je comprends. Non, elle est vraiment très très cool, Abby. Bon, même si j'attends hein, avec impatience que l'event de Elle demande un enfant se lance, hein, mais pour l'instant. Inconnu au bataillon. Et tac. Faut que j'y rejoue à ce jeu. Ils ont fait une update depuis que j'ai pas testé depuis, mais j'avoue que j'ai du mal à m'y remettre. Je peux comprendre. Je peux clairement comprendre. Le jeu est tellement complet que bah du coup, c'est un jeu où une fois qu'on arrêtera, je pense que j'aurai du mal à m'y remettre. Très clairement. J'aurais beaucoup de mal à y rejouer une fois que je l'aurai terminé. Enfin, terminé. Une fois que j'aurai arrêté d'y jouer. Mais oui, j'imagine que du coup, l'update dont tu parles, c'est la fameuse 1.6. Parce que moi, c'est celle-là qui m'a littéralement lancé dans le jeu, clairement. Le problème de ce genre de jeu est que j'adore la découverte, mais une fois avoir découvert, le démarrage me paraît toujours très long. Je suis d'accord. Clairement, je suis totalement d'accord. J'adore, comme je dis, j'adore le jeu, mais ouais, c'est bon, ciao. Je veux mon poisson légendaire. C'est, je pense, une des raisons pour laquelle je me vois pas relancer le jeu. La seule raison pour laquelle je pourrais éventuellement relancer le jeu, c'est le modder de manière à ce que le démarrage soit beaucoup plus rapide. Ah bah le voilà! Ok, donc c'est bien là. Est-ce qu'on le first try? Et en plus, on a le coffre. On a chopé tous les poisons légendaires! Et il y a de la merde dans le coffre. Bon, bah voilà. L'objectif de l'automne, check. Je vais aller voir Robin. Ou alors, faudrait qu'il refasse complètement un nouveau titre pour une découverte totale. Bah, il y a un deuxième titre sur lequel il bosse, mais pour l'instant, il y a peu d'infos. Ça parlait d'une chocolaterie avec des fantômes, etc. Je me souviens pas, mais tu as joué à. Matin, mais à Sandrock. Alors, j'ai joué au premier qui était Mai Tai Mat Portia. J'ai fait Portia, mais j'ai pas fait Sandrock.
Et j'aimerais beaucoup faire Sunrock. Bah 300 000, allez go. Donc ça c'est fait. Sunrock est très cool, ils ont un autre jeu de prévu. Oh! Mais Portia, j'avais déjà beaucoup aimé. Vraiment, il est très très cool. Et ouais, Sunrock me fait vraiment de l'œil. Je pense que je vais un peu calmer les jeux de gestion de ferme et tout ça pendant un temps après avoir fini Stardew. Mais il y a des chances que j'y joue très clairement. En live ou pas, j'en sais rien. Mais ouais, il y a des chances que je le fasse, très très clairement. Non, j'ai pas de fût libre. On va aller ouvrir la boîte mystère et puis on va dormir. Comme je disais, à partir de maintenant, on va accélérer les journées où il se passe pas grand chose. Très très cool en tout cas. Et ça, malheureusement, ils ont sorti leur tout dernier DLC sur Sandrock. Ok. Ok, ok. Non, je vais pas aller dormir. Bah si, oh si, oui, en vrai si, je vais dormir. Comme ça on passera la journée et on le fera demain. Demain j'irai sur le volcan pour voir ce qu'on peut faire en amélioration. Puisque du coup, ouais, comme je disais en début de live, j'ai passé pas mal de temps à farmer. Hors live. Donc j'ai chopé plus. Ah bah tiens. J'ai chopé plus de gemmes. Non, c'est les noix. Les noix dorées. Ouais, je crois que c'est les noix dorées. Donc techniquement on devrait pouvoir entrer dans la salle qui était fermée. Donc on va voir. Salut Dylan, je savais que tu passerais par ici aujourd'hui. Bah, t'as de la chance parce que ça fait quand même 4 jours que je passe pas du tout par ce chemin là. Je t'ai préparé une petite surprise. C'est un petit pique-nique rien que pour toi et moi. C'est vrai que Léa est cool aussi. C'est un mélange de légumes avec mes épices spéciales. Et voici une salade bien fraîche à base de légumes que j'ai cueillis dans cette forêt. Nilan, Je voulais juste te remercier de m'avoir aidé à faire un pas de plus pour devenir une véritable artiste. Alors, qu'avons-nous là? Ah! L'autre qui était en fond là-bas. Quel? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'as donc pas vu lors de ton exposition d'art? Ouais, c'était bien ça. Je suis venu tout droit de Zozoville pour voir tes sculptures. Et pour regagner ton cœur. Je veux que les choses redeviennent comme avant. Tu me manques, bébé. Oh, il va se prendre un taquet. Non, ne m'appelle pas comme ça. Tu n'as jamais aimé mes projets artistiques auparavant. Maintenant que j'ai un peu de succès, tu veux me récupérer? Tu m'écœures. Eh, hey, viens par ici! Oh, et oh, on va parler aux meilleurs, là. Oh, c'est tentant! Oh, c'est tentant! On ne parle pas à ma pote comme ça! Oh mon dieu! Patate dans sa bouche! Elle va bien, mais c'était plutôt violent, Nilan. Partons d'ici. Je crois pas qu'elle viendra nous déranger à nouveau. Trouve un endroit un peu plus isolé cette fois-ci. Alors! Je suis en couple, hein. Je rappelle, hein. Arrêtez de tous vouloir me sauter dessus au bout d'un moment. Bon, il n'y a pas le marchand. Il n'y a pas de nouveauté ici, on est d'accord. Ouais. Mais ce chat serpillière, hein, je... Un chat, quoi.
Typiquement? Qu'est-ce que j'en fasse? Bon. Abby n'aime pas manger épicé. Bientôt, même les ratons vont te faire du rentre dedans. Non, mais tellement, hein, à l'aide. Hein. Ouais. Bon, cette petite journée, on n'a pas fait grand-chose. Et aujourd'hui, direction le volcan. Faut que je prenne de quoi me soigner. Faut que je prenne les éclats de braise. Bon, 5 de santé, on va pas aller loin avec ça. Je vais prendre les burgers qu'on avait préparés la dernière fois. Ah non, beignet de crabe, autant pour moi. Non, ce sera de l'anguille épicée. Du coup, je vais récupérer aussi les deux anneaux qu'on a là. Là, c'est objectif, fusionner nos anneaux, voir ce que ça fait, tout simplement. Et en vrai, j'ai presque envie de prendre des conneries du style de l'iridium, du prismatique, faire des trucs. Après, je sais pas si c'était des lingots qu'il fallait mettre ou des minerais. Bah, au pire, on va prendre du quartz, on va prendre ça, 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 ça. Et let's go. Eh mais faut que je... Non, ça on verra au retour. Je vais prendre un TP à la ferme. J'y pense. Bon, la question c'est est-ce que je vais penser à l'utiliser, ça c'est autre chose. Allez hop, direction la plage. On arrosera en revenant. Parce que là, clairement, on va pas faire forcément la traversée du donjon. On va juste aller au sommet. On va juste au sommet, voir ce qu'on peut faire. Et puis... Éventuellement, ouais, si, peut-être... après avoir fait les tests, voir ce que ça peut donner dans le wall. Je vais pas forcément ramasser les items. Non, je vais pas perdre de temps, on va y aller direct. Cette émote est géniale. Typiquement, Willy. Ah, tu sais quoi, je m'en fais un petit aussi. Allez hop. Ça réveille le petit piment à 7h du mat. Allez Willy, on ouvre la porte. Dix minutes. Allez. Go, 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 go. Allez, on passe l'animation en force, on connaît. Non, c'est la pluie. Donc déjà, direction le volcan. Oui, j'hésite déjà. J'hésite déjà. Direction le volcan. Ensuite, on va voir le campement là, de Mamie Chelou là. Où il fallait qu'on entre avec les noix. Hop
là. C'est bizarre, il pleut pas en haut du volcan. Mais what, il y a une île là que tu peux explorer là aussi? Oui. Nouvelle île qui est apparue donc avec la fameuse 1.6. Donc du coup là, ça ferait... Donne de la santé. Enfin, redonne de la vie en tuant des mobs et 10% de vitesse d'attaque. Oh mais c'est bien en vrai là. Bah ok. Ça va. Ah non, c'est pas appuyé sur le bouton. Et donc, là j'ai mon anneau combiné. Donc maintenant, si je combine ces deux-là. Anneau combiné. Qui fait de la lumière pour que peut collecter à distance et me protège des dégâts. Donc maintenant mon épée. Ah donc je. Ouais, donc les lingots et compagnie, je peux pas les mettre. Je peux mettre de l'améthyste, cela dit. Poids plus 10. Attends, ça veut juste dire qu'elle est plus lourde? Ça veut dire quoi qu'elle est plus lourde? Mais là, ça m'enlève le vampirique. C'est chiant. Bon, on va tester, on verra bien. Forger 1 sur 3. Bon, mettons. On va tester. Tueur d'insectes. Waouh. Ouais, bon, ça, c'est de la merde, du coup. Bon, du coup, remettons mes anneaux. Bon, ça veut dire qu'il faudra que je reprenne du prismatique. Pour essayer de réavoir le vampirique. Ok. Très bien, très bien. Bah, on aura testé, au moins on saura que ça marche comme ça. Mais ouais, du coup, une île qui a été ajoutée avec un nouveau donjon. Avec la possibilité de faire des fusions d'armes sur des. Enfin, de fusion de minerais sur des armes pour les améliorer. Toute une zone, toute une nouvelle zone de construction, de ce que j'en ai compris, et un nouveau PNJ avec cette île, une nouvelle monnaie, les noix dorées, qui permettent de faire du commerce avec des perroquets. Et voilà. Alors, au cas où il me les bouffe, allons déjà voir. Alors, c'était où? Je crois que c'était au bout de l'île, au bout de la plage, je crois. Ouais. Non, c'est juste que ça. Oh. Oh. Eh bien, regarde-moi qui voilà. Je vois que tu as trouvé l'entrée de ma chambre aux noix secrètes. Je suis vraiment impressionné. Même si tu n'avais besoin que d'une fraction de noix pour avoir un accès complet à l'île, tu t'es surpassé. Ton désir d'entrer par cette porte secrète était si fort que tu as fait des pieds et des mains pour pouvoir rentrer. C'est ce genre de motivation qui te distingue. Tu as une énergie très spéciale. Ceci étant dit, tu ne pensais pas que le défi s'arrêterait là, n'est-ce pas? Non. En fait, le défi ne fait que commencer. Sur ta gauche, tu trouveras un panneau avec des opportunités très intéressantes. Ces défis que j'ai conçus spécialement pour toi te feront atteindre tes limites. Pardon. Cependant, si tu parviens à surmonter mes défis, tu gagneras une monnaie exclusive. J'appelle cette monnaie les gemmes qui. Ne va pas les mettre dans ta bouche, elles sont hautement radioactives. Ah! Tu peux utiliser la machine à droite pour échanger ces gemmes contre des récompenses rares et puissantes. Cela semble intéressant, n'est-ce pas? Mais je savais bien que quelqu'un comme toi apprécierait ça. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des affaires importantes à régler. D'accord.
Donc ça peut être quoi les objectifs? Trouver 100 de chacun des objets de couleur rouge, jaune, violet, vert, bleu. Vous pensez pouvoir marquer 50 000 points en mode infini dans Johnny Mockart? Oh! Oh ça m'emmerde! Oh ça m'emmerde! Oh c'est chiant! Pardon, mais l'un comme l'autre là, c'est ultra relou! Et les cadeaux, c'est quoi? Coffre Johnimo, grâce au pouvoir de la magie, il est lié à la même réserve. Ah, c'est le Nether Chest. Ok. Flûte de cheval, invoquera votre cheval, ouais. Liste de stock disparu de pierre, ça pourrait intéresser Pierre. Ok. Réservoir, les objets placés à l'intérieur sont automatiquement chargés dans la machine devant celle-ci. Ah! Ouais. Enrichisseur, à placer sur un arroseur et mettre de l'engrais pour l'appliquer automatiquement lors de la plantation de graines dans un rayon proche. C'est sympa ça. Buse de projection, à placer sur un arroseur pour augmenter sa portée d'arrosage. Oh. Déconstructeur. Détruit les objets fabriqués mais récupère le matériau précieux. Oh, c'est bien ça. Clé du village. Permet d'accéder à tous les locaux de la vallée à tout moment de la journée. Oh, c'est bien ça. Âme galactique. Forger trois d'entre elles et placer-les sur une épée galactique pour libérer sa forme finale. Oh, ça, j'ai envie d'essayer ça. Mais il en faut trois. Ah. À planter sur votre ferme pour faire pousser des champignons. Ouais. Appât magique. Vous permet d'attraper des poissons durant n'importe quelle saison, par tous les temps, à n'importe quelle heure et quel que soit le type d'eau dans lequel vous jetez votre appât. Ok. Assaisonnement. Une seule pincée donnera un goût extraordinaire à n'importe quel plat ajouté automatiquement lors de la cuisson. Chapeau de bas sur qui? On s'en fout. Sanctuaire aquatique. Oh la taille du bordel! Ok. Récolteur lourd. À utiliser sur un érable, un chêne ou un pin et attendre que le réservoir se remplisse de produits. Il fonctionne deux fois plus vite que le récolteur normal. Lingot radioactif. Attends, à quel moment on peut miner de l'uranium là? Mini bac d'expédition, ça on connaît. Vitesse grand V. Oui, vitesse grand V, recette. Attends, mais minerai radioactif. Ok, garantir d'augmenter le taux de croissance d'au moins 33%. Ouais. Engrais de luxe. Ouais. Plan du réservoir, plan de l'appât magique, le double lit exotique. Oh! Terreau d'herbe bleue. Mettez ça dans votre ferme pour planter une touffe d'herbe bleue. D'accord. Feu d'artifice, ok. Feu d'artifice, feu d'artifice. Bon, il y a masse d'items. Alors, je suis juste curieux d'un truc. Je vais pas le prendre parce que voilà. Sanctuaire aquatique. C'est quoi ça? Chasseur infaillible. Ah putain, c'est pour savoir l'avancée d'où on en est dans le jeu. Ok. On est donc à 43% d'avancement dans le jeu. On a fabriqué, enfin expédié, donc vendu 73% de ce qu'on pouvait cueillir ou fabriquer. Et obélisque de ferme, je sais pas ce que c'est. Horloge dorée de ferme, je sais pas ce que c'est. Tueur de monstres héroïque. Bon, ça, j'imagine que c'est buter tous les mobs de la liste de Marlon. Très bons amis à 94%. Donc, ouais, il manque le nain, Léo, probablement Kent. Niveau d'agriculteur, bon, ça, on est level max. À trouver tous les fruits étoilés, bah non. Recette de cuisine effectuée, 9%. Oui, bon, ça va. Recette artisanale effectuée, 30%. Oui, bon, ça va. Poisson attrapé, 84%. Ça va. Et noix dorée, 130 sur 130. On est donc à 43% d'avancement. Je crois que c'est Bors, il est dans la liste. Ah, mais je pense que Kel. De toute façon, il a même pas de photo, Kel. Donc, à mon avis.
Enfin, elle n'a même pas de photo. Ah ouais, il reste le nain, Léo. Ah non, Ken, c'est bon, on a terminé. Donc il manque le nain et Léo. Ok. Bon, ça va en vrai. T'es pas la personne de cet endroit, d'accord? Je veux que ça reste un endroit unique. Alors oui, c'est ça que je voulais tester. Je vais pas m'en servir, mais je veux juste voir la taille du bordel. C'est, pour ceux qui connaissent le mode Minecraft, le Too Many Items. Je veux juste voir à quoi il ressemble. Ah, c'est quoi la taille de ce bordel? Oh putain! Donc c'est un aquarium, hein. C'est un aquarium. Ce n'est pas un écran plat. Ok. Oh la vache. Bon bah ça c'est fait. Donc on a techniquement débloqué un nouveau truc à farmer. J'avoue que là j'ai un peu la flemme. Donc. Ah tiens! Voilà, donc ça nous fait un nouveau point où on peut dormir. Avec un nouveau truc d'expédition. Enfin, une nouvelle caisse d'expédition. Oh, c'est joli. C'est cosy. C'est très cosy. C'est un 2000 litres. Ah, je pense, hein, minimum. Hein. Sacré aquarium, le chat le verra. Oui, je pense qu'il le verra celui-là. Livrer le courrier? Bah, vas-y, au pire. Donc ouais, tu peux littéralement te refaire une deuxième base en fait. J'ai pas de courrier. Ok, donc on a un oiseau ici. Une tour de téléportation? Comment ça? Par la magie du perroquet, téléporte-moi. Ah mais oui, tour de téléportation. Oui, je vois ce que c'est. Oh, c'est pas du tout ce que je pensais. Quoi? Ok. Ah! Ah, c'est. Bon, bah, du coup, j'y retourne. Pardon, mais j'avais pas fini. Ok, donc on n'a plus besoin de prendre des TP à la maison une fois qu'on partira, qu'on viendra ici. Parce qu'on a une tour qui nous téléporte à la maison. C'est bon à savoir. Donc est-ce qu'on a d'autres perroquets qui sont dans le coin là, qui voudraient bouffer? Oui, on peut faire une deuxième ferme, oui, tout à fait. Ah oui, c'est vrai que j'ai le carquois magique. J'avais oublié ce truc-là. Mais oui, on peut repartir sur une deuxième ferme, absolument. Alors, excusez-moi, hein, mais j'ai déjà assez de une ferme à gérer. Deux. Oh bah. Bon, ce truc-là m'énerve. Vous l'avez, hein. Mais j'imagine que du coup, c'est ici qu'on doit planter le. Les trucs de tarot là. Parce que j'ai. Enfin, parfois, peut-être parce que j'étais toute seule au moment où je suis arrivée au bois.
Ah bah de toute façon ça me permet de virer des trucs ça. Voilà, il fallait que tu sois avec moi. Sauf que comme je me suis fait canarder, moi j'ai essayé. Le carquois ou Temtem Sword avant l'heure, c'est ça. Ah, en plus on a une date là de Temtem Sword. Temtem Swarm, pardon. Ah tiens. Construire une station balnéaire? Mais tout de suite! Faisons ça tout de suite! Station balnéaire est ouverte. La fermer exceptionnellement demain? Bah non. Alors à quoi ça sert de faire ça sur une île où il n'y a que toi qui peux y aller? En tout cas pour l'instant, il n'y a que nous qui pourrions, puissions y aller. Bon, j'imagine qu'il ne doit pas y avoir que nous au final, voilà. Peut-être que Léo ira, hein, on sait pas. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Léo, des trucs à dire? As-tu rencontré les autres comme toi? Je n'aime pas beaucoup leur parler, je me sens plus en sécurité avec les miens. Coco, ouais, très bien. Une pierre dans la montagne de feu. Tiens, prends des graines. Je sais pas si je pourrais digérer ça. Donc ce truc-là, je sais pas à quoi ça sert pour l'instant. En fait, j'essaie de voir s'il y a des écureuils. Des écureuils. Oui, des écureuils à plumes. Avec des becs. Construire une cabane marchande, hein. Mais ouais, ça bosse vachement bien les écureuils. Putain, mais j'y tiens mes écureuils. Qu'est-ce que t'es? Une graine d'ananas, télétropicale, flambeau de la jungle, chaise tropicale, bananier, manguier. Oh, des mangues. Oh. Putain, d'accord. 28 jours, voilà. Il produit des fruits durant l'été ou durant toute l'année si le manguier est planté sur l'île gingembre. Donc il y a des trucs. Après, bon, tu peux le mettre techniquement dans ta serre, tu n'auras des trucs. Bah en fait, non, dans la serre, tu auras des fruits tout le temps. C'est juste que si tu le planques dehors, tu le plantes dehors, chez dans la. Dans la ferme, on aura des fruits que l'été. Par contre, si tu le plantes ici, toute l'année. Oh, photo volcan. Stylé. Jupe hawaïenne. Oh. Pudding à la banane. Rétention d'eau de luxe. Sol à 100% de chance de retenir l'eau pendant la nuit. Oh. Ok. Bon, bah ouais, bon, il y a des trucs sympas, mais là, c'est pas ce qui m'intéresse. On va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres perroquets. Je ne suis pas trompé. Je me demande toujours comment on ouvre ce machin là. J'ai pas pris mes bombes d'ailleurs. Peut-être que les bombes sont une solution. Solution simple et efficace, hein, j'ai envie de dire. Enfin, efficace, j'en sais rien, mais solution. Après, il y a encore des coins où je sais pas comment on y va. Hein. Ça c'est fait. Genre celui-là, je sais pas comment on va le chercher. Bon, lui, il veut toujours je sais plus combien de pognon là. Il veut plus parler? Je sais plus combien il veut lui. Mais lui, il veut cher. Lui, il veut très cher. Ça, pour l'instant, bah, j'ai toujours pas trouvé non plus. Hein. Ça, j'ai toujours pas trouvé non plus.
On va essayer de voir en passant vers la plage là-bas s'il n'y a pas de nouveaux perroquets qui ont pop. En vrai, en toute franchise, c'est la méga flemme de refaire une ferme. C'est clairement la méga flemme. Hein. Comme dit Leda, si la force physique ne marche pas, c'est que t'en as pas bien assez. Et on est bien d'accord. Bon, je vois pas forcément d'autres perroquets que j'aurais pu rater. J'ai pas l'impression. Pas une porte là? On avait fait ça, non? Oui, ça on avait fait. Ça me rappelle un truc, ça. Surtout une femme sans personne. Bah ouais, hein. Ouais. Et bah, je pense qu'on va rentrer à la maison, hein, gentiment. Juste aller voir si il y a moyen d'entrer dans la cabane de la vieille. Hey, Taillou. Putain, mais je repense aux objectifs de l'autre là. 100 decks. Trouver 100 items de chaque couleur, mais what the fuck? À quel moment? C'était arrosé ça? Ça n'a pas été arrosé non? Mais en soi, il y aurait beaucoup de choses à faire aussi sur cette île là-bas. Hein. Il y a encore beaucoup de trucs à voir et compagnie. Mais comme je dis, voilà, j'ai pas forcément envie de faire déjà. Comme je dis, de toute façon, l'objectif était clairement pas de faire un 100% du jeu. Dès le départ. Hein. Et c'est bien ce qui me semblait, j'avais pas. Je me suis pas occupé de tout ça là. Mais ça veut dire que si jamais l'envie me reprend un de ces quatre, on aura toujours des choses à faire sur ce jeu, ça c'est sûr et certain, on aura toujours des choses à découvrir. Mais bon, on aura passé une vingtaine de lives, enfin presque 20 lives ou même un peu plus, je sais plus, sur le jeu, bon. Ouais, vu quand même en gros une grande partie. Par contre, j'avoue que je suis un peu deg d'avoir perdu le vampirisme sur mon épée. Donc il y a peut-être moyen qu'à l'occasion, je retourne au volcan pour tenter de remettre de mon vampirisme. Hein, Surtout que bah maintenant j'ai un anneau qui fait vampirique, qui fait effet vampirique. Je me dis, épée vampirique plus ado vampirique, il y a peut-être moyen que bon, ce soit pas mal, quoi. Quel est le build de Pompax? Mais tellement. Dire clairement, oui. Tac.
Bon. Que dit le... Ouais, c'est aujourd'hui, Elliot. Mais en soi, je pense que ça va être une journée de je lui file son cadeau, je m'occupe des animaux et puis je me casse, hein. Enfin, je veux dire, je me casse, on retourne dormir, quoi. Bonjour, bon anniversaire, bye, bonne nuit. Mais tellement. Bah, de toute façon. Ah non, si, faut qu'on aille voir au cinéma d'ailleurs. Si le film a changé. Faut qu'on aille voir si le film a changé. Et après, bah, dormir, hein. Parce qu'en soi, comme je dis, hein, je veux pas passer non plus des journées où on va faire rien exprès, où il va rien se passer, etc., etc. Le but est quand même qu'on voit des choses. Et dans l'idéal, bah, s'il se passe rien, on va juste avancer. Parce qu'en vrai, même le pire, là, c'est que les anniversaires de Elliot et compagnie, au final, on s'en fout, puisque bah, on est déjà à fond avec eux. Techniquement, on s'en fout un peu. C'est à la rigueur le nain et Léo, il faut que je passe régulièrement pour leur filer des trucs, histoire que on passe à 100% d'amitié avec tout le monde, mais sinon, pas grand intérêt quoi. En tout cas pour notre run à nous, hein. Parce que sinon voilà, pour quelqu'un qui veut faire un 100%, oui, évidemment qu'il y a de l'intérêt. Bon. Ok. Et au pire, je vais lui filer une aubergine, il sera content. Au pire. Tac, on va aller voir le courrier. Georgia, what? J'ai entendu dire que tu travailles sur un défi très spécial. Je connais la solution parfaite pour t'aider. Rendez-vous dans la grotte aquatique de l'île Gingembre. La grotte aquatique? Fizz. Division de recherche de services spéciaux de Georgia. Quoi? Hein? La grotte aquatique de l'île Gingembre. C'est où ça? C'est laquelle? Bonjour, j'espère que ta femme se porte bien. Je t'envoie un petit quelque chose de ma cuisine. J'espère que ce ne sera pas émietté dans le paquet. Des cookies!
La caverne aquatique. Enfin, je disais rien, mais je réfléchis. C'est laquelle? Elle est où? J'avoue que là, j'ai aucune idée. Ah! Gelée de piment 180 balles, la gelée de fruits anciens 1600 balles. Ouais. Clairement, ouais, petite invitation à Bed in Black de chez Carrefour, là, c'est quelque chose, hein. En vrai. Filer l'aubergine, ça ira très bien. Je t'abonne. Eh, vas-y, en vrai, je lui file une bière à Elliot, il sera content. Bon, la grotte aquatique. Ah, bah tiens, Elliot. Hey. Regarde, j'ai réparé la vieille barque qui était près de chez moi. C'est du beau travail, n'est-ce pas? Hélène, me ferais-tu l'honneur de venir avec moi pour son voyage inaugural? Let's go. Let's go. Donc mon livre est sorti depuis un moment maintenant. C'est pas un best-seller, mais il a reçu de bonnes critiques de la part des journalistes. Je n'aurais vraiment pas pu le terminer sans ton soutien moral. En fait, ce n'est pas vrai. Je l'aurais fini d'une façon ou d'une autre. Mais je te suis reconnaissant d'avoir cru en moi, en ma vision. Enfin bref. Dylan, comment dire ça? Nous sommes amis depuis pas mal de temps déjà, mais je crois que je ne veux plus être ton ami. Ça tombe bien, à plus! Non, je dis pas que je veux couper les ponts avec toi. En fait, c'est tout le contraire. Non mais les gars, voyons voir. Comment puis-je expliquer ça correctement? Pour la première fois de ma vie, je suis à court de mots. Bégayébé! Arrête! Je suis vraiment désolé. Mais j'étais pas prêt! Mais ça va pas, non? La porte est verrouillée, bah sans deck. Attends, on a perdu en affinité ou pas? Ah, ça va. Balance le halo, mais tellement. Non, mais il est fou, lui. Ah, c'est vachement pratique d'avoir fait une station balnéaire, ça fait 3 jours qu'il pleut. Bon, une grotte aquatique. Où est-ce qu'on a ça ici? Caverne des pirates. Oh. Site de fouille. Alors là, il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Bon, là, c'est le bateau. Là, le truc des pirates. Putain, j'avais même pas fait gaffe qu'on avait accès à quelque chose ici.
Il y a un truc au milieu là. Ah, bon bah c'était une mauvaise oreille. Oh! Oh, une sirène! Bonjour madame! C'est bien gentil, mais comment j'y vais à la grotte du coup? Madame? Je. Madame? Pourquoi une note de musique là? Il n'y a pas un système de marée, j'en ai aucune idée. Une noix de coco dorée. C'est une noix difficile à casser, mais un professionnel pourrait peut-être l'ouvrir. Oh! Comment on y va là-dedans? Mais oui, j'avoue, un système de marée serait pas déconnant, mais j'ai, enfin, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu de système comme ça, donc je sais pas du tout. Je sais pas. En toute honnêteté, je ne sais pas. Au pire, wiki, hein, je vous le dis clairement. T-shirts de sac à dos. Putain, on a plein de trucs. Bague porte-bonheur. Hein. Cuirasse en acier. Diamant, aigle marine. Alors, on est bien là. Bah avant de rentrer, je vais aller voir le wiki. Je vais aller voir le wiki. Stardew. Alors, après avoir restauré la station balnéaire, cette zone est accessible en marchant vers l'est à partir du quai. Elle comprend une crique avec un grand rocher, ainsi qu'un accès vers une caverne de pirates. L'entrée vers la caverne des pirates se trouve du côté droit de la crique et est accessible à n'importe quel moment dès que le joueur a débloqué l'accès au sud-est de l'île. Les pirates occuperont cette caverne les jours pairs après 20 h s'il ne pleut pas. Donc il faut pas qu'il pleuve, qu'on soit un jour pair, et qu'il soit près de 20, plus de 20 heures. L'un des pirates propose au joueur de jouer un jeu de fléchettes et récompensera chaque victoire par une noix dorée, jusqu'à 3 noix maximum. Il est possible de continuer à jouer après avoir apporté les 3 noix sans gain à la clé. Un autre pirate tient un bar, offrira de l'hydromel une fois par jour au joueur si ce dernier porte un chapeau de pirate ou un cache-œil. En hiver, des méduses similaires à celles que l'on peut admirer durant la danse des méduses. Peuvent être aperçues dans le bassin tout au sud, elles ne peuvent pas être pêchées cependant. Ok, donc on peut pêcher dans la stat dans la zone. Les jours pluvieux, une sirène apparaîtra au sommet du rocher, jouer de la musique le... de la jouer Jouer la musique de la sirène permet de gagner 5 noix dorées. Cela demande 5 blocs flûte paramétrés correctement. Ah putain, oui, c'est pour ça les trucs, la note de musique avec les 5 trucs qu'il y a à côté. Placer un bloc flûte sur chaque groupe de pierres sur le sable, puis activez-les avec un clic droit de manière à ce que leurs notes forment la musique de la sirène. Ok. Et ça donne des noix dorées.
Ok. Qu'une fois que tu as ce qu'il faut pour la sirène, il pleuvra pas. Évidemment. Ok, bon bah voilà, globalement. Globalement, ce que ça fait. Bon, avant de rentrer, j'ai juste lu un truc, on va voir vite fait ce que c'est, et puis sinon on se casse. Et salut Blue, comment on va? Ah oui, en effet, je l'avais pas vu, mais le fait d'avoir construit la cabane a fait pop cette grotte là en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Écrivez. Qui vous êtes la personne qui s'occupe de la terre devant ma maison, non? Avant, cette terre avait plein de nourriture fraîche. Moi, espérer revoir ça un jour. Toi, faire pousser cette chose rose, cette chose juteuse. Ok, d'accord. Dans ce que. Ouais, je pousse, ouais. Tu peux faire pousser ce que je veux, faire pousser ça et rapporte à moi. En gros, ouais, de ce que j'en ai lu, il parle par énigme pour faire nous dire, enfin nous demander de faire pousser des trucs. Et ensuite on les a fait pousser, on revient le voir, voilà. Alors, la question que je me posais du coup, c'est que on a changé de jour, est-ce que l'autre dans sa grotte là demande les mêmes objectifs? Dormi comme de la merde, sinon ça va être. Bah écoute, moi c'était hier ça, hein, je. Mais ça va, ça va. Oui, c'est les mêmes, c'est juste le compteur de jours qui change, ok. Ok. Mais sans déconner, je me demande où est-ce qu'on loot l'uranium en fait. Parce qu'on a vu qu'il y a des crafts qui demandent de l'uranium. J'aurais pas dû rentrer par là, j'ai pas mon cheval, putain. Mais ouais, non, moi ça va bien mieux qu'hier, hein, clairement. Hier, le manque de sommeil et le soleil totalement éclaté s'est bien fait sentir. Pas m'énerver. Déjà mercredi, on n'a pas arrêté de bailler. Bah justement, ça a été le problème, c'est que mercredi, après le live, enfin après qu'on soit quitté du vocal, je suis allé me coucher quasiment de suite. En me disant, ah nice là, je me couche tôt, du coup je vais pouvoir dormir et tout, ça va être trop bien. Résultat, je me suis réveillé à 5h du mat, et impossible de me rendormir. Donc j'ai été éclaté une grande partie de la journée et j'ai fini par me réussir à dormir un peu dans l'après-midi, mais j'étais complètement éclaté. Donc voilà. Attends, l'autre débile là. Tiens, voilà. Ça va où? Ça va au bar là? Tout le monde là? Ça a l'air. Ça a l'air d'aller au bar. Mais je veux quand même aller check un truc. Est-ce qu'elle a fini de bosser? Est-ce qu'elle a fini de bosser, Robin?
fameux ah, je suis fatigué en tout début de nuit, quel plaisir, je vais passer une bonne nuit, mais que dit ton corps t'envoie de faire. Mais oui, non, mais oui, voilà, c'est ça. Ce qui fait que hier j'étais éclaté, donc bah du coup, chiant. Et puis TCG m'a chié à la gueule, donc chiant en plus. Ah, mais putain, non, ça c'est Léa. Donc là, faut vraiment faire là-dedans. Je pense que c'est la première fois qu'on arrive au bout du premier niveau. À quoi quoi? Oh putain. Oh, tu redémarres du début! Ouais, ciao! Donc là, faut faire le. C'était quoi? C'était 1000, 10 000 points? Je sais plus combien. C'est génial de revoir toute la bande. Rien n'a changé. J'espère bien. Est-ce que je devrais. Ouais, non, pas même, toujours les mêmes dialogues. 50K, c'était? Non, mais voilà, enfin bref, chiant. Bah, saoulé. Pas envie. Bonne nuit. Dire pas lui. Non, c'est. J'ai lu, mais je ne me souviens plus. Ah merde, il y avait nos deux diamants. Notre multiplicateur de diamants. Non. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Bon, les réserves de foin commencent à baisser un peu. Hein. Allez, tac. Du coup, j'avais récupéré, hein. Ouais, c'est bon. Coup, je me demande ce qu'il y a dans la noix de coco dorée. Ça va être cool ce soir, hein. Un plat, vérité, voix 2, d'instance, de pré. Ouais, au moins 2, ça va être cool. J'ai hâte. Allez, ça tu stockes, tu stockes, tu stockes. Et bonne nuit! Mais ouais, normalement deux instances là. Bon, il pleut. Ah, c'est même orageux. Bah du coup c'est une journée où il n'y a pas grand chose. Recherche un homard frais pour une merveilleuse bisque que je prépare. Qui Gus, propriétaire du salon. Ouais, récompense 800 PO, bah si tu veux. Ouais. C'est qu'on a plein de trucs que je peux pas faire, donc ça je sais pas. Ça, carambole, pas la saison. 10 betteraves, pas la saison. Albacore, il me semble que c'est pas la saison.
Et là, Abby te dit, c'est bizarre, c'est marrant, tu sens comme Elliot. Ouais, non, mais l'autre, là, qui me saute dessus dans son bateau, là, non, mais à l'aide, hein. En vrai, je m'attendais pas à ce qu'on touche la fin d'ailleurs aussitôt. Vu les petites sessions qu'on fait. Bah, en vrai, ouais, c'est ce que je disais quand j'ai lancé le live tout à l'heure. C'est que. En fait, je me suis rendu compte que malgré les petites sessions qu'on fait, quand on a fait la première découverte du jeu à l'époque, enfin il y a 4-5 ans là, Titan, on l'a fait au live numéro 8. Et cette fois-ci, Titan, on l'a fait au live numéro 8. Donc en vrai, on avance bah, comme la première fois. Même si la première fois on faisait des sessions plus longues, mais il y a plein de moments où on allait faire des conneries, certaines quêtes bleues par-ci par-là, etc. Après la première découverte du jeu, on faisait des sessions plus longues, mais il y avait des quêtes secondaires. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux dire, on n'a pas encore mis les pieds au Gold Saucer, on n'a pas fait certains donjons qu'on a eu en quête bleue, enfin qu'on a sur les quêtes bleues, style Alatali et compagnie. Mais je pense, hein, après voilà, on verra ce que chacun veut faire, mais qu'est-ce que quoi? Méduse des cavernes. À quel moment il y a une méduse des cavernes dans mon récipient d'anguilles? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent 3 géodes, mes asturgeons. J'en ai 5. Ah, ça m'emmerde un peu, dis donc. Putain, mes asturgeons bouffent des cailloux. Ah, du caviar. On peut les mettre là-dedans, les méduses? Non, on peut pas les mettre là-dedans. Mais oui, ce que j'allais dire, c'est voir si à l'occasion on se fait pas une session. Bah, une fois, je pense qu'on aura fait le Praetorium, histoire d'en débloquer un maximum. Enfin, une fois qu'on aura fini ARR, quoi. Une session de les donjons de ARR qui se débloquent via quête bleue. Genre bah du coup à l'Atali, mais le truc, le phare de Sirius, le donjon des Tombéries là, dont j'oublie le nom à chaque fois. Ça me reviendra pas. Etc. etc. Je me dis ça peut être sympa, histoire que voilà, on fait pas. Palais du Vagabond, merci. Mais toute la suite de quêtes avec ces deux ou trois donjons là. Je me dis que ça peut être sympa qu'on fasse pas que voilà, tête baissée, épopée, qu'on fasse un peu autre chose de temps en temps. Même si déjà, va falloir se faire la tour de cristal. Par exemple. Ah oui, c'est bien un orage du coup, oui. Clairement, une fois le prêt est plié, on a masse de contenu qui attend. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Et je dis pas ça pour retarder le moment où on va faire ARR+, qui va me saouler, mais... Non, en vrai, non. Et puis il débrande, et puis il débrande, en effet. Quand tu te dis que sur les premières sessions, enfin les quêtes, il débrande de ARR qui sont tellement longues que on avait fait quoi, 4 ou 5 lives dessus? Alors, The Golden Coconut. Je m'attendais pas à juste une noix de coco, une noix dorée, putain. Oh, l'arnaque.
Bah du coup on va aller voir Robin. Putain, 10 d'iridium, je sais pas ça. En vrai c'est sympa ce petit truc là du tamis. J'aime bien. C'est tout con mais j'aime bien. Ah, il y en a encore un. Non? Bah il y avait un truc vert là. Bon, je le vois plus. Bref, c'est pas grave. Après, je crois qu'on se limitait volontairement à un épisode par live. Non, ça remonte à trop loin. Je sais plus en vrai. En vrai, il y a des chances. Mais c'est possible. Je sais plus. Oh! On a tout fini du coup, ça y est? Mais il semblerait qu'on ait tout fini. Allez, allez, ça c'est fait, 200 000 balles, on est bien. Pour avoir la table de craft qui permet d'accéder à tous les... Depuis quand il y a... Ah, c'est ça les fameux raccourcis dont t'as parlé. Donc c'est à ça qu'à ça sert le truc que je viens d'acheter, enfin que j'ai acheté il y a 3 jours. Et du coup les meubles... Oh putain oui, oh putain les... Oh putain les... Oh les bandes, ouais. Allez, on a débloqué le housing, y a des bisous. Du coup, le rocher près des bains. Ah, c'est pas con, je vais aller voir ça. Je vais aller voir les ratons laveurs d'abord et ensuite on va aller voir. Même si je pense que le truc, le rocher près des sources chaudes, je pense que je sais à quoi il sert. Enfin, je pense que je sais à quel moment il s'enlève. Parce que comme je disais en fait tout à l'heure, je sais qu'on n'ira pas au 100%, donc on n'aura pas une certaine scène qui se passe quand on a le 100% du jeu. Et je sais que du coup, il y a des chances que cette fameuse scène, de ce que j'en ai compris, se passe derrière ce rocher-là. Va checker, hein, mais je pense que c'est que qu'il est pas ouvert. Ouais, voilà. Parce que ouais, donc comme je disais, à partir de l'année 3, on a la possibilité d'avoir la note de notre ferme. Et le but est, une fois que tu as la note, tu peux l'augmenter jusqu'à arriver au 100% du jeu. Et une fois que tu as le 100% du jeu, tu débloques une scène. Et cette scène fait office de, voilà, entre guillemets, générique. Donc on ne le verra pas, ce générique-là, je vous le dis clairement. Parce que autant finir le jeu en soi, bon, l'histoire et compagnie, bah, techniquement on a fini là. Hein. Mais pour le 100%, on peut rajouter quelques centaines d'heures derrière. Hein, parce qu'il faut... vendre un exemplaire de chaque item. Il faut avoir bah, toute la liste déjà qu'on a vue tout à l'heure chez Jean-Michel Key. Maintenant, la fiche Mysterium. Ah! Eh ben écoute! Samedi pluvieux, samedi cinéma. Combien? Oh, beaucoup trop d'heures pour le finir à 100% le jeu. Clairement, beaucoup trop d'heures. Et du coup, ce que je disais aussi, c'est que cette fameuse scène-là dont je parle, tu peux techniquement accéder à l'endroit où elle a lieu en cheatant, avec des cheats, etc. Mais,
si tu le fais et que tu vas à cet endroit, tu n'as pas la même scène. Tu n'as pas la même scène et tu as le... Tu as un message des devs en mode... on sait que t'as triché... ton perso meurt, tu retournes à l'hosto, etc. Eh, je m'inquiète parfois par toi. Je m'inquiète... je m'inquiète pour toi parfois. Il y a plein de monstres dans ce monde. Mais t'inquiète, on se fait une petite soirée ciné. Prémets-moi que tu feras attention à toi. Je veux pas te perdre. Allez. Samedi pluvieux, samedi au pieu. Ah bah si seulement. Non mais je pense que là on va se faire le ciné. Je vais aller au lit. On va passer la journée. On va passer le reste de la journée. Cela dit, j'ai pas fait gaffe là, le housing. J'ai pas vu s'il était payant. Si les meubles étaient payants ou pas. J'ai pas fait attention. Faut regarder. Y'a personne aujourd'hui. Oh, ça veut dire qu'on peut jouer là. Machine à pince coûte 500 balles. Donne! Alors, y'a un pilier du démon là. Des gros dos d'ours, des trucs. Ok. Non! Ah, quoi? Bon bah si. On a un truc. Mais... On va tenter de choper ce qu'il y a derrière. Ouais. Ah, c'était pas loin. Petite peluche. Ok. Ah, ce popcorn, ce crépitement, cette odeur. Ah, oh, j'avoue, vas-y. Bah, évidemment qu'on va acheter un truc. Donc, un sandwich à la crème glacée. Sandwich à la crème glacée. D'accord. Oui, c'est un Oreo, quoi. Bonbon slime acidulé. Popcorn au chocolat. Popcorn chocolat. Bleh. Incroyable, ils ont codé une vraie machine à pain, cette base au dernier moment. Eh, c'est une vraie, clairement. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle pourrait aimer, Abby? Bonbon acidulé? Sucre d'orge. Allez, petit sucre d'orge. Nous l'apporterons directement au siège de Abby une fois que le film aura commencé. Et moi, je vais me faire foutre, c'est ça? Pardon. J'adore les films d'horreur. J'espère que ce film sera effrayant. Ah, c'était un film d'horreur, du coup, je... Y'a pas de popcorn au quartz? Ah, mais tellement. En cas où mousse, qui prend ça au ciné? Bah, je pense absolument personne. Clairement, on veut se flinguer au sucre devant le film. Oh, Shane et Maru. Mysterium. Une vague silhouette dans le noir. Abby rigole. C'est pas effrayant, mais j'ai bien aimé. Ah bon, elle a kiffé. Elle apprécie vraiment beaucoup le sucre d'orge. Bah, très bien. C'est bon à savoir. Le vide désolé et inconnu de l'espace, où des horreurs indicibles attendent. Un œil. Qu'est-ce que... Une variété de scènes décousues et surnaturelles se déroulent. Ah, je reconnais ça, c'est Dartail. Ou alors c'est le clip de Spock Sky Skeleton. Ah, c'est l'autre là dans les égouts.
Vous. Sinon. Le film est terminé pour ce soir. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. J'ai rien compris! Ah, il était chelou votre film. Hein. Maro engage une discussion animée sur le film. Bon, Habitant dit quoi? C'était plutôt un film parodique, mais j'ai bien aimé. Alors, comment était ce film? Putain, il y a un corbeau dans le cinéma. J'avais pas fait gaffe. Pourquoi il y a des corbeaux tout pleins en fait? Il y en a un là aussi. En fait, c'est en fonction du film? Allez, hein, film d'auteur là, c'est quand même chelou. Hein, C'est quoi le suivant? Le miracle de la ferme Cold Star. C'est peut-être la déco du mois d'automne, enfin de la saison d'automne, en effet. C'est une possibilité. Mais autant, bon, il y avait un pseudo-texte quand on avait fait le film là sur les cow-boys et compagnie, là, sur tiré du jeu du jeu dans le jeu. Mais alors là. Oh, c'est gratuit! Table basse là du coup. Bon ça c'est tous les trucs muraux. Lampe. Ça c'est pas une mauvaise idée. Ah il n'y a pas que des lampes. Bon, très bien. Bon, bah, je vais pas forcément passer ça maintenant, mais. Je m'entendais à un dialogue. Ah, je la voyais pas si petite, la table basse. Je la voyais pas aussi petite. Il ne peut pas s'entrer. Il ne peut pas s'entrer. Bref, allez, hein, bonne nuit. Bon bah on va faire la journée hein.
Je me demande ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de temps libre. Citation du désert de Calico. Salut Sandy, merci. Allez, à plus. Salut le chat. Salut le chien. Alors je peux récupérer le maïs, on va le faire juste après. Mais du coup, je me pose la question, la quête de l'autre là, récupérer 100 items de couleurs et compagnie là. Est-ce que c'est 100 items de chaque couleur? Parce que ça avait l'air d'être ça. Et auquel cas, tu vas choper ça où en vrai? Oh, tu me diras, c'est comme l'uranium hein, pour l'instant. Hein. On sait qu'il y en a parce qu'on a vu un plan qui en parlait, mais sinon, uranium inconnu au bataillon. Après, il y a un monde où je vais aller voir sur le wiki aussi. Parce qu'en soi, en termes de plans qui demandaient de l'uranium, on a vu que c'était des plans qu'on a eu dans la zone du volcan. Donc j'imagine que ça doit être un truc, quelque chose qu'on chope là-bas. Pour l'instant, aucune idée. On n'a jamais vu ça. Ah oui, du coup. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Des lingots d'or, bah oui, bien sûr. Surtout quand il dit chaque couleur, ça veut dire un item blanc et bleu et d'un autre rouge et noir, ou c'est juste blanc, un autre noir, et puis c'est le contenu de la couleur. Ou la couleur de la boîte, ou peut-être juste des trucs dans la nature, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune foutue idée, c'est ça le problème. Donc les truites arc-en-ciel veulent des lingots d'or, écoutez, hein. Très bien. Ça nous gardera en bonne santé, ouais, bien sûr. Ouais. C'est pas assez précis. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est bien le problème. C'est bien le problème. Ça, du coup, je l'ai pas arrosé. Je sais même pas. Ah, bah non, il pleuvait donc non, j'ai. J'ai rêvé où il y a une aubergine que j'ai pas lootée là. Oui, là par là.
Ok, ça c'est fait. Les champs, il n'y a rien besoin de gérer. Bah du coup, il y a un monde où juste je passe la nuit et ciao, hein. Ah, il y a le marchand. Bon, on va aller voir vite fait. Il y a la caravane marchande. On va aller voir ce que ça peut proposer. Là, il n'y a pas de nouvelles têtes. Poisson, chat Joseph, mélange légumes. Non, fleurs tropicales d'été. Vin, truite tigrée ou blanche, chemin de cristal, crocus, dalle de pierre. Bon, bah, rien d'intéressant. Rien qui m'intéresse. Bah du coup, bah il y a un monde ou fin de journée. Il y a un monde ou fin de journée. Ça va être un. De toute façon, je vais m'arrêter là, moi. Le dodo à 10h30. Bah oui, mais bon. Globalement, oui, hein. C'est encore orageux, et merde. Ok, bon bah écoutez, hein. Ah, grande journée, bah vas-y, va t'abuser sous l'orage. Mais on va s'arrêter là pour cette session de jeu. On n'aura toujours pas eu de proposition d'enfant, de habit. Va-t-on arriver à la fin de l'année pour. Enfin, en avoir un avant la fin de l'année? On est moins sûr. Mais ça a pas l'air gagné. Bref. Du coup, on va s'arrêter là pour cette session. J'espère que ça vous a plu, ce petit live d'après-midi. On se retrouve de toute façon ce soir. Hein. Ce soir, c'est la suite FF14. Donc voilà, ça aurait grand Tisha avec probablement au moins deux instances. Donc j'ai un peu hâte. Et puis voilà. La bonne fin d'après-midi à vous, le bon app, et à tout à l'heure pour de nouvelles aventures d'ici là. Eh ben, portez-vous bien, hein, si on se revoit pas, sinon à ce soir. Allez, ciao!